Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risquais pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde ! On a monté notre petite affaire. Halt ! Police ! Stop ! Vito, par ici ! Lance-moi le sac ! Arrêtez ! Où je tire ? Oh, merde ! Ok, salopard ! Écarte les jambes ! Merde ! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on est du côté. On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus près. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Allez, Scaletta. Allora, traditori! Abbassate l'arma! De force, dégage ces balcons, Scaletta! Derrière les sacs de ça! Allez, venez! Couvrons tous! Ça y est, il recule! On y va! Avec moi! Merde! Allez, merde! Merde! Che giù! Ma chassi, resta a fare prigionieri prima che arriva l'esercito! Caporal! Ce type dit que l'armée va rappliquer ici. De mieux en mieux. Bon, tu vas avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Impossible de passer par là. On dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention! Si t'as une grenade, Caleta, c'est le moment où jamais t'utilisais. Lance une grenade par cette fenêtre! Wow! Merde!
Escaleta? Toujours en un seul morceau? Ouais, enfin je crois. Bon bah alors lève tes fesses et on y va. Fais le plein de munitions. Après on pourra plus ravitailler. Oh, regarde-moi ça. Escalier, vite! Eh, prenez ça, sale rétale! Alors, on pas quoi, c'est ça? Alors, ça rigole toujours? Il doit y avoir des prisonniers en haut. Nettoyez le premier étage. Scaletta, t'es en pointe. Uchi de Tayo Stati! Eh, bien visé! C'est bon. Arrenditi, o gli faccio saltare. Crois qu'on va devoir passer par là. Allez, viens. Je ne vois pas. Je peux le sortir. Oh, merde. Mais d'où il sort tous ces cons? On s'en fout, on continue de tirer. Et d'après toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, on cause moins, on tire plus. Ça me va, mon gros bras, mais ça saute. Merde, tu vas pas te faire longtemps, sale con. Allez, faut rentrer, vite. Non, alors, merde. Vous en voulez encore, hein? Oh, vous avez lancé à l'étage. Allez, vite! Mets-toi à la mitrailleuse! Détruis ce camion! Crève-les tous! J'en arrive tous! Prends l'église! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Eh! Où t'es passé, salopard? Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Volevi davvero Don Calò? Cacetto! Un congè quando siamo arretati come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, le chef della mafia siciliana. Une garnison tout entière s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé.